pour le stage tracking entre Begin et Datto. Kifumi, j'ai pas vu qui a gagné encore, la caméra un peu trop haut, dommage. Qu'est-ce qu'a gagné le stage tracking? Toi? Donc c'est Begin qui a gagné le stage tracking, il bénit Desti. J'ai pas vu quel personnage a pris Begin. Donc bon, ça sera un peu la surprise, j'imagine que Datto a pris Mars. Même si j'ai vu le chic un peu tout à l'heure, c'était quand même dans des matchs peu sérieux, donc ça c'est très probablement Mars. C'est pour ça que Begin enlève Destination Finale, il a certainement peur, donc j'imagine que Begin a pris Falco. Et on se retrouve sur champ de bataille, le stage neutre, c'est normal, c'est logique, les deux joueurs savent un petit check pour y aller, et c'est parti. Donc, Falco qui était un peu bloqué sur les plateformes, qui a réussi à tomber rapidement, mais un smash avant bien vu, bien senti de Datto. Dommage, il a raté le jab, Falco était un peu trop haut, il spam les down tips depuis tout à l'heure, et ça passe. Datto qui a un avantage assez certain là, 89%, qui trouvait un de ses fameux écarts bien senti, magnifique kicker. Il savait que Begin allait prendre le bord, allait chercher à prendre le bord. Je sais pas s'il l'a vu jouer tout à l'heure ou si c'était un mind game pur et dur, mais il s'est presté à voir, c'était pas mal. Et encore un grab de Datto, les finishes de Datto qui peuvent être parfois assez terribles, surtout sur les fast callers. Contre Falco, il a l'habitude, il est bien obligé quand même. Donc Begin va devoir faire très attention à pas se faire ouvrir. Parce que c'est bien connu que Datto, une fois qu'il vous a ouvert, que vous êtes Falco, et là vous êtes quasiment mort, voilà, il y a un burn-kill, et il remonte quand même. Et heureusement qu'il y a eu le trade, sinon Falco était mort. On demande si on aurait pu contrer, peut-être, mais c'était tendu, c'était probablement pas la meilleure option. J'aurais fait un burn-kill aussi, par contre. Datto qui est un peu bloqué sur le bord, là il essaie de revenir, mais ouais, Falco lui laisse de l'espace, même si ça avait la guerre, ça... Il est revenu au centre du terrain. C'est vrai que Datto essaie de faire des parties depuis tout à l'heure, il rate tous, mais ça c'est une question de réglage. Je suis sûr qu'à la fin du set il va commencer à en passer plusieurs et ça va totalement mettre en l'air le timing de Begin. Datto sur son gros avantage et encore un edgeguard. On va voir un slap step, et bah, c'est bien possible ma foi. Hein. Même si à 117% sur Datto. C'est un grab là, ah voilà, vous voyez, les paliers par ensuite ont commencé à passer, il a compris le timing de Falco, un perf de Falco sur P, 1% sur Falco. Ça va être tendu pour Begin là, oh là là, Begin qui se suicide, d'accord, ok, Begin qui abandonne la partie, 3 stocks, même JD4. Donc, si j'ai bien entendu, ce sera Yoshi Story, et ce sera un Mars plutôt, oui, parce que les villes se jouent aussi Mars, Falco, Fox, et éventuellement Captain Falcon, ils jouent un peu tout, mais surtout Falco et Mars. Donc je sais plus qui est qui, avec Datto c'est le bleu, et Begin c'est le noir. Voilà. Fait qui donne le plus de valeur là. Datto qui est le garde. Oh là 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 là, gros super de Datto. Qui avait vu ce truc. Datto qui fait des wave dash à son shield. Continue avec tout sur son shield. Begin a beaucoup de mal depuis le début là. Il se laisse beaucoup presser sur le bord et il se finit assez sévèrement. Il a du mal à gagner le final game. C'est malheureusement pas très serré comme match pour le moment. Il va peut-être trouver le truc. On l'a pas encore vu punir gros grossement. Faire des gros punish sur Datto. Je sais pas parce qu'il a pas eu tellement d'ouverture. Peut-être qu'on va voir des trucs sympas lorsqu'il va commencer à s'adapter. Ah les Shy Guys qui ont totalement mis en l'air la recovery de Datto, c'est un Edgeguard. Gros pourcentage sur des gros, ça va être difficile, on se match même pas de cité, ça tue. Une stop d'avance complète pour Datto, il est pressé sur le... Oh là là, Begin qui commence à rager là parce qu'il commence à faire... Il me semble qu'il fait n'importe quoi là. Il va avoir besoin de se recentrer un peu. Il faut qu'il shoot un instant.
J'imagine qu'il va continuer à jouer ce match jusqu'au bout pour commencer à comprendre les ouvertures de Dato un peu. Et se rattraper et faire un comeback sur le prochain match. On espère tous voir ça parce que... c'est serré quand même. Hein. Voilà, un grand tueur. Il m'a tué fort maintenant depuis le début. Il a toujours très très bien passé. La Begin silencieux, c'est pas souvent. Choisis donc Paco, je crois que c'est qu'ils ont dit Paco Field, c'est ça. Encore en haut là, il fait qu'il refoule le bas du terrain et en descendant du terrain il se fait graber, mais bon combo breaker. Ensuite il commence à passer de Dato. Dato qui était pas tant pour la technique. Très beaucoup de petits dans ce match. Donc, ça se passe avec groupe niche, ça se cherche pour le moment. Il a dû comprendre quelque chose pour se faire moins graver et Dato l'a vu, il faut moins faire attention. J'ai cru qu'il était mort, bien joué. Dommage, il a pas fait la bonne option après le ledge, mais je pensais pas qu'il était mort en descendant ici bas, c'était pas aussi, mais c'est pas mal. Il y a beaucoup plus de Falco peut-être là. Laser, dommage, il est resté coincé dans son shine et il se fait cuire beaucoup là. Dato tranquillou, qui lui met des pourcents, qui les punit sans se cacher. Hein. Et voilà, et encore un smash pour fait. On sent que l'avantage dans ce match est le plus patient des deux. Hein. Voilà, encore un power shield. Le crowd to power shield le plus classique de Mars là, c'est super facile de faire des power shields dans ce cas-là. Allez, Falco là. Il va falloir qu'il donne tout, c'est le dernier match là de Begin. C'est potentiellement le dernier match. Bon, ça passera. Oh là là, magnifique shot. Battlefield en plus, fallait avoir les couilles de le faire, il fait des recovery très ballfield depuis tout à l'heure, Begin, et ça tombe bien. Et pendant ce temps-là, Dato il fait tranquillement des ballfields, il retrouve les ouvertures, il fait des punishes qui vont bien, dommage que ce ne s'est pas passé là. Dato, fidèle à lui-même, tranquille. Des punishes qui vont bien, il sait ce qu'il faut faire, il redrop quasiment jamais rien. Alors que Begin c'est le truc, il fait des mangas bizarres et tout ça, c'est un peu dommage de Begin. Il se retrouve sur sa dernière stock là. J'ai bien peur qu'il n'ait pas encore monté ce couteau pour gagner ce match de CC7. Bien joué de recovery là sur la plateforme. Bon set dodge pour éviter le grab. Il a vu qu'il est grabé à chaque fois qu'il a dash dance back et le grab. Et incroyable ce dodge grab là. Il couvre une option. Il en couvre une deuxième et vous faites deux jeux. Un BO5 très rapide.